Dans l'agriculture, la France veut des migrants et des saisonniers. Le Premier ministre français, Gabriel Attal, a annoncé le 21 février une série de mesures visant à faciliter l'embauche de saisonniers étrangers dans l'agriculture, répondant ainsi à une demande accrue dans ce secteur. Cette initiative vise à faire de l'agriculture un métier en tension, avec la publication imminente d'un arrêté en ce sens. Cette mesure offre une opportunité aux étrangers en situation irrégulière en France de régulariser leur statut. De plus, des procédures simplifiées seront mises en place pour l'obtention de visas pour les étrangers désirant travailler dans le secteur agricole français. Cette décision fait suite à une pression croissante exercée par les professionnels agricoles, notamment en raison du manque de main-d'œuvre. Face à cette problématique, le gouvernement français a choisi de recourir à la main-d'œuvre étrangère pour pallier ce déficit. Cette démarche, bien que critiquée par certains, offre une opportunité unique aux étrangers cherchant à s'installer en France, tout en répondant aux besoins urgents du secteur agricole. Gabriel Attal et son gouvernement espèrent ainsi atténuer les tensions et résoudre le problème persistant du manque de main-d'œuvre dans l'agriculture française.